Pouvoir y a là a préparé yon lot gros coup. Fois ça, c'est pas contre haïtien qui en Haïti yo, mais plutôt li ciblé haïtien qui nan diaspora. Mes amis, si nta kite kou sa passé, en vérité famille haïtien yo pral soufri en pile, yo pral kon misère, yo pral kon douleur, rete là, m'pral ban plus détail. Pas de pi bon moment pour gang ta et banda que lè yo sous pouvoir. Jovite l'homme te gen ta annonce, eh bien, li passe à l'action. La République connaît déjà, vite l'homme innocent se gang pouvoir. Et de attaque vite l'homme fait là, gon question revanche kap regle. Gon question attaque personnelle kap regle là. M'bral bo tout détail sa yo ak an pil lot encore. Nan yon ti moment. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui hein, pour me porter émission parlant pour vous, mon éditorial avec Yannick. Si vous faites tomber sur channel là, pas hésiter, abonner, activer petite cloche notification hein, et comme ça vous prêtez connecté chaque petite information nous joindre dans n'a porter le barou dans botte mamite. Ariel Henry, yon bois gang pouvoir, gang à sa patio on bois à terroriser population hein, binu on bois préparer une autre transition. Dans le pays, c'est en pile information, en pile détail, nous prenons le bas aujourd'hui dans la vidéo. Préparez-vous, nous prenons le pays, nous prenons le faire débat. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Raison Haïti toujours fait face à une instabilité politique enragée. C'est pas sans raison toujours un pays en toujours un conflit, toujours une crise politique, toujours une violence, bandit toujours à taille mandat. Jodi on sou pa konnen tout makil. D'ailleurs chaque crise politique toujours un groupe moun kap tire profit, toujours un autre groupe moun kap sikombe. Et moun sa yo kap sikombe a, c'est moun ki pi plus yo, c'est majorité population. C'est malere malere yo, c'est nous même qui pa yé ni rele ni répondre, c'est nous kap soufri en attendant pouvoir a faire l'argent, secteur privé a gagoter et puis marche peuple nan misère. Moi toujours dis nous, si nous voulons faire pays, faut que nous l'ouvrions genou. Si nous voulons faire pays, faut que nous cherchions information. Si nous voulons faire pays, faut que nous attachions avec histoire nous pour nous voir qui côté nous fait faute, qui côté nous ca redresser ballon et qui côté nous ca monter au mur pour empêcher vagabond vagabonde politique yo pour y arriver sous nous. Et bien dans moment là, depuis après assassinat Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, Ariel occupait tête l'état. Ariel, c'est lui-même qui a dirigé le pays. Gon sample de décision Ariel prend. De pour ouais décision ou est son symbole de corruption. De pour ouais décision ou est ses bagailles créées qu'a réglé ou est ses bagailles personnelles nèg yo a réglé. Ariel dernière décision li prend là, c'est retirer subvention monter prix gaz. La République enflammée, tout 10 départements pays mobilisés, n'a pas dit Ariel, nous pas d'accord avec gaz en limonté, n'a pas dit Ariel, nous pas d'accord avec subvention li retiré, nous pas d'accord avec mauvaise gouvernance, nous pas d'accord avec question corruption. Mais faut que nous gon l'État là qui faillit. Nous gon l'État faillit. Pas gagné bonne disposition qui prend dans tête l'État ou plus au sommet de l'État pour redresser banque là. Pays a plongé, bateau a coulé. Et bateau a kap coulé, Ariel avec gouvernement là pour beaucoup la dol. Nèg yo utilisé boîte l'état yo, nèg yo utilisé trésor public là comme bien maman yo ak papa yo, y a fait corruption, y a fait détournement de fonds publics. Scandale qui éclaté là, journée jodi comme quoi, gen plus passé 400 contrats fictifs en dedans palais national ou bien contrats irréguliers en dedans palais national. Secrétaire général palais à Joseph Pierre Louis signé côté le ba colite li ménage li makrel li
Il y a pas un contrat de consultation, il y a pas un contrat de conseiller présidentiel alors que ou gon pouvoir exécutif qui dysfonctionnel. Ou gon président sans président là-dedans, mais tout le monde gen contrat nan men yo, y a conseiller président, tout le monde gen contrat en dedans palais national. Kounya question pour poser tête tout. Jodi an la, gen un groupe nèg que le té dans secteur privé, gon groupe nèg que le té dans société civile là, que le té dans la presse qui c'est principal bénéficiaire paquet faux contrat ça yo. Paquet contre Malachong sa yo, c'est yo même sous Jovenel Moïse qui t'a voyé roche, c'est yo même sous Jovenel Moïse qui t'a dit gen corruption, qui t'a dit Jovenel pa kare sous pouvoir. L'autre on va gaboter pour mettre Sonné Saint-Louis qui t'a dit ou mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Après nèg yo fin assassiner Jovenel et pour ouais c'est même mettre Sonné Saint-Louis ça qui a touché chèque en dedans palais national comme conseiller à la présidence alors que pas gen président ou ouais nèg yo son paquet si grand gros paquet si vicieux yo ça nous clair sous lui mais qui ça me veut comprendre avant me rentrer dans mon sujet à nan sujet à ou Ariel Henry dans moment là tout ça ouais qu'a fait à terre c'est distraction c'est diversion yo 2 à 3 mois de cela dossier corruption qui gagne dans palais national là monsieur j'aime défaut émission sous lui c'est pas seulement dans palais national qui gon paquet contrat fictif c'est pas seulement dans palais national qui gon paquet contrat bidon en dedans palais national Josué Pierre Louis dans exercice fiscal 2021-2022 li voyé by CSCC a plus que 400 contrats nous pas gagne chambre des députés chambre député à la vacances depuis et en 2020 2 ans eh bien chambre député a gagné contrat tout, yon gen plus passé 400 contrat tout, yon dedans CSCCA. Nous gen 10 sénateurs. Sénateurs yon voye pour exercice fiscal ça. Yon voye bay kou de compte. Yon gen plus passé 300 contrat tout. Oui. Qui est-ce qui a fait corruption ça yo? Qui est-ce qui derrière corruption ça yo? Ou en nèg sa yo, ou prend yo pour moun sérieux? En vérité, sous considéré nèg sa yo qui na administration publique là, nèg sa yo qui constitue 3 pouvoirs l'état, sous considéré yo comme moun sérieux, mabdou ou foutu ou nan menti ak tèt ou. Nan moment là, des pour rester nèg qui sous pouvoir Ariel Henry, des séries de nèg là, si reste sénat, yo youn yo pa régler en merde sinon que plein poche yo aller. Nan toute situation de crise, toujours gen 2 groupes moun ka profiter. Yon groupe nan classe politique là, yon groupe ka préparé leur crise en fini, nan yon même dans secteur privé a pour yon vin bénéficier franchise, pour yon vin bénéficier prêt, pour yon vin bénéficier un paquet avantage que l'état pral ba yo parce que yon fait déficit, business pas ouvri, business vandalisé, moun krasé, moun brisé business yo, moun pillé business yo. C'est deux groupes moun sa ou toujours profiter, classe politique profiter et nèg nan secteur privé profiter. Même là ouais la business yo pas ouvri, même là l'activité commerciale yo pa reprendre pas inquiéto nèg sa yo c'est l'argent yo pral faire l'oué tout bagay rétabli en dedans pays kounye a bon dou ki sa vérité an vérité an c'est que yo mette contrat sa yo sous table pour yo distraire peuple distraire sous question gazan distraire sous transition binu madala li m'a préparé pour nous là distraire sous Ariel Henry ak tout Jean-Victor Généus qui dit tout bagay sous contrôle tout est globalement sous contrôle y a ba nous distraction avec contrat ça mais la république te gen tant qu'on est ces corruption qui gagne la république gen tant qu'on est corruption depuis le budget rectificatif l'en fait depuis la primature te prend décision pour yo augmenter budget la présidence alors que pas gen président nous tout te gen tant qu'on est ces corruption c'est bagay crée k'ap régler en de dans palais national mais kounye a nan commencement émission mwen dou gon SOS qui lancé gon danger qui plane sous tête haïtien parce que Ariel Henry a gouvernement là la, li sou route pour prendre l'autre gros décision criminelle et derrière décision ça c'est diaspora yo c'est compatriote Frenchen qui a prédit di nan diaspora nan neige nan Freddy al travail pour tete bil famille en Haïti pour occuper famille en Haïti et bien c'est yo même Ariel Henry a gouvernement lan sou route pour attaquer depuis bien quelques jours gon zami qui en dedans ministère des finances qui travaille et faut mwen dou ministère des finances c'est yo même qui gen responsabilité pour gérer question prévision budgétaire qui quantité l'argent l'état bien pour le dépenser et pour exercice fiscal là qui quantité l'argent l'état bien pour rentrer etc. C'est eux même qui là pour faire des prévisions budgétaires. Exercice fiscal en Haïti, il commence chaque 1er octobre, il finit chaque 30 septembre dans l'autre année qui vient. Et c'est à partir de exercice fiscal là, l'état pral garder qui quantité l'argent yo pral rentrer pour exercice ça qui quantité l'argent y a bien pour yo dépenser yo fait des projections
Étant donné que moi dois Haïti son état failli, étant donné moi dou dans moment là c'est corruption qui gangrène caisse l'état, nèg yo a dépenser l'argent par-ci par-là, Ariel a mettre l'argent à terre pour le carré sous pouvoir, Ariel a voyé l'argent bay bandi pour ka gérer pouvoir, pour ka kembe pouvoir, pour ka empêcher manifestant prend la rue, pour empêcher moun al al passer frustration, yo al faire revendication yo passer. Eh bien, nous face avec l'état côté que yo dépenser plus l'argent que yo rentrer plus l'argent. Tenez bien. Sous bon l'état ou son premier ministre son pays ou pas qu'à contrôler dépenses qu'a fait dans caisse l'état. Nous pas qu'à faire prévision en fonction de qui quantité recette l'état haïtien a rentré, que t'es dans douane, que t'es dans l'autre institution yo, nous pas qu'à gérer qui quantité, nous pas qu'à contrôler qui quantité l'argent qu'a rentré et nous pas qu'à contrôler dépenses nous yo, là automatiquement son l'état qui en faillite. Et pas rien doute sur ça. Comme depuis sous Martelly, des grandes questions Fonds National Éducation Martelly te décide créer. Quand elle t'a prend 1,50 $ sous frais diaspora, yo sous frais transfert diaspora voyé en Haïti. L'idée fait qu'on est que Fonds National Éducation ça 1,50 $ diaspora t'a pral servi pour réformer l'éducation en Haïti, t'a pral servi pour ba une éducation de qualité, t'a pral permettre que l'État respecte engagement constitutionnel qui dit l'école gratis pour tout petit monde. Eh bien, Martelly te prend diaspora au nom piège. Et c'est kounye a, zami ki nan diaspora yo pral comprendre que c'est non piège Martelly te prend yo, c'est non piège PHTK version 1 te prend yo, l'el te al fait propagande pour question Fonds National Éducation, kote yo ta pral prend 1,50 $ sous chaque frais. Comme zami nan diaspora yo, yo toujours ta reme wè Haïti bel, yo ta reme wè la kay gen réforme qui fait, yo ta reme wè jan nan pays côté ya vive la, yo ba importance à éducation, yo ba importance avec avenir ti moun yo, yo ta reme wè sa fait la kay dou. Et puis tout moun d'accord que 1,50 $ l'état pral prend, yo pral investir dans éducation. C'est rete n rete, nous wè Martelly passé, madame Martelly fini, son question psugo, son question bay ti moun yo ti valise qui écrit et fondation rose blanc, son question abdou yo changer uniforme l'école tout moun bleu marin et ti carreau etc. Pas gon merde qui règle, pas gon ken réforme qui fait vraiment dans éducation. Jodi an allon lycée ou pap jwenn gon laboratoire informatique, ou pap jwenn chaque élève gon laptop de vol, ou pap jwenn gen toilette et conforme moderne vraiment dans lycée ou pas besoin de gain entretien qui fait ou pas besoin de bon restaurant ou pas besoin de bon cantine dans lycée ou pas besoin ni dans l'école nationale pour qui ça parce que stratégie Martelly te mette en place plan Martelly pour te attaquer diaspora yo li te dou 1,50 $ pour éducation parce que yo dou jodi effectivement en Haïti puisque yo pas fait éducation peuple yo pas formé peuple c'est ça que fait on paquet politicien malachong de gren gauche yo utilisé mental peuple haïtien yo utilisé faiblesse intellectuelle qui est pas bon côté haïtien en Haïti majorité yon, et puis soit attendez a yo bon sou yo a 1000 goud yo pral voter a 500 goud yo pral voter on sak diri yo pral voter yo prend yo nan plan yo prend yo nan piège yo mêlé peuple haïtien kounye a gen bien longtemps diaspora senti faut qu'yo révolté, faut qu'yo mobilisé pour yo mandé Ariel Henry, pour yo mandé depuis sous Jovenel Moïse, pour yo mandé au compte sous question de la 50 là, sous fonds gestion de la 50 là, sous Fonds National Éducation, qui ça réglé avec de la 50 là, qui ça vraiment gouvernement passé au réglé avec l'argent. L'op comptabiliser, l'op compter à chaque exercice fiscal, ou après c'est des milliards de dollars qui rentraient à chaque exercice fiscal diaspora yo voyé en Haïti. Jodi an véritablement m'a douli noir sur blanc si haïtien vive en Haïti c'est grâce à diaspora ou c'est diaspora qui kembe haïtien vit en Haïti parce que vérité c'est qui ça lié pas gon ken zanmi ki nan diaspora qui pral admettre que maman le papa le frère le seul petit li ki en Haïti des proches des amis li en Haïti mouri grand goût a mal vivre ret nan mal cité ret nan mendicité a mandé à gauche à droite non. Même l'el te konne $50 là, l'État prend, c'est corruption le bral fait. Y a voye kob la quand même.
Y a voyel parce que yo pa jam reme wè fami yo fè 1 semaine pa manje, yo pa jam reme tande l'école ti frè ti sœur a pa paye yo mete l'école li pa ka suiv kou, yo pa jam reme pou yo tande gon zanmi ki sou kaban l'hôpital ki pral opere ki pa ka jwenn kòb pou yo kite l mouri pou 1 dola, 1 dola 50 l'état haïtien pran. Malgré tout sou tande y a toujours fè effort pou yo voye ti kòb lan. Eh bien kounye a information qui rive joine nous gagné Ariel Henry a gouvernement là qui planifié pour yo mettre 50 centimes sur 1 dollar 50 là pour yo passer dollar 50 là à 2 dollars. Tendez bien. Nous dans contexte politique, nous n'a fait face avec une crise politique, pays à vivre une instabilité enragée là. Et stratégie Ariel employé là à gouvernement là, ça est la stratégie du choc. Pendant que stabilité là, pendant focus nous sur l'autre problème, pendant n'a géré 10 l'autre problème et puis yo même en bas table, y a finalisé tout plan yo. Y a finalisé tout projet yo gagné. Y a réglé tout ça yo té vle régler le pendant que yo connaît notre normal yo pas ka régler. Et bien derrière toute décision ouais qu'a prend là dans stratégie du choc là, gon ti groupe qui animé, qui gagne des objectifs lucratifs qui mette nan tête yo, c'est bon moment pour yo faire l'argent. Qui mette nan tête yo nan moment là, côté gen crise politique là, côté peuple là vulnérable là, côté psychologique moun yo instable, côté psychologique là, moun yo instable là, c'est bon moment pour yo attaquer, c'est bon moment pour yo prendre des décisions. Et on pareil décision, m'bon garanti, nan moment instabilité là, c'est reto après to ta wè, ou al voye un transfert en Haïti et puis fami ki en Haïti ki recevoir transfert yo dou, yo passe don 1 dollar 50 à 2 dollars. Son bagay kon sa li tapye. Etant donné information y a circulé, etant donné information y a fuité, fok ou jwenn information. Et mabdou ki vérité gen la. Ouais, nan moment crise, pa gen pi bon moment pou gouvernement Ariel Henry pou profiter pran décision criminelle. Ça veut dire la fèl on fwa. La fèl on fwa. Pendant la rue, ou a revendiqué pour la richesse. Pendant la rue, ou a revendiqué pour l'insécurité. Pendant la rue, ou a revendiqué parce que Ariel monte gaz. Et puis lui-même, il a pris toute l'autre décision. Ou dans la route, ou dans la rue. Et puis devant la communauté internationale, tout est globalement sous contrôle. Ça veut dire que les gens qui sont dans la rue, c'est les gens fous. Les gens tête pas droite. Les gens tête pas droite, les gens fous. Et dans ce moment-là, qui vérité gagne, Mabdou? Gen yon paquet zanmi ki gen ti fiche transfert yo nan men yo depi 1 semaine, oui, depi 2 semaines, oui. A cause bureau transfert fermé, moun yo pa ka jam pran transfert, pa jam ka récupérer transfert lan. Kounye a ki sa gen la? Tout moun sa yo ki gen transfert nan men yo, se zanmi nan diaspora ki voye ti kòb la pou yo pendant période crise dan. Parce que gen crise en Haïti, gen pays lòk, fòk ou gen ti chocho la kayou pou manje. Sou pa gen rien la kayou, ou relon zanm ou kontakt ton zanm ou rakote le sou, rakote le problème ou vle pa vle te mette 50 dollars la voye ba ou vle pa vle te mette 30 dollars la voye ba ou. Donc kounye a nan moment vulnérabilité ça, nan moment kote tout moun focus, fòk yo manje on bagay, fòk yo jwenn on bagay, fòk yo défendre de gouden yo la, fòk diaspora avoye de gouden pou yo al pral, pou yo mette manje la kayo. Donc gouvernement Ariel Henry s'il vle attaque yo la, c'est bon moment pour l'attaquer yo. Là, un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Ou compte tout détail, yon gen information nan men. Et nan moment là, jodi an se 28 septembre, nous rete seulement 2 jours pour exercice fiscal 2021-2022 pour le fini. Et nan nouveau budget, question m'a posé tête, moi, est-ce que 0 dollar, est-ce que 0 dollar 50, est-ce que 50 centimes ça, Ariel partout rentre dans le nouveau budget? Parce que c'est la piège, eh. 1er octobre 2022 là, c'est pour un nouvel exercice fiscal. Donc nouvel exercice fiscal, nouveau budget. Et dans nouveau budget ça, il y a un ensemble de prévisions qui fait là-dedans. Et dans prévision, on va faire dans nouveau budget là. Semaine là, c'est tête chargée en dedans ministère des finances, même l'autre des pas d'activité, ministère pas fonctionner etc. Mais tout le monde qui a une responsabilité pour travailler sous prévision budgétaire, tout le monde qui a une responsabilité pour travailler sous budget pour exercice fiscal 2022-2023 là, il a frappé sérieusement, il a frappé, il a travaillé. Tout le pays lok la la, yo pral considéré comme déficit en douane nan. Ou tande yabdou déficit en douane nan, tande bien. Yabdou déficit yo fait nan douane, douane pa travail, etc. Alors que, nan douane nan,
Chaque jour ou gen yon frère ou paye. Depuis que tu as fini de checker conteneur pour comprendre le conteneur à cause gen problème dans la rue ou gen manifestation, chaque jour ou gen l'argent à payer pour retard. Ou gen l'argent à payer pour retard. Retard ça, dans poche qui est là? Dans poche directeur doit non bien dans caisse l'état là. Faut que nous poser question pour nous connaître. Donc par rapport avec toute situation ça, on pral d'où l'état en déficit. Qu'on y a faut que yon fait en façon pour yon couvrir tout déficit ça yo. Est-ce que c'est 0,50$ diaspora ou pral mettre son 1,50$ pral bay de dollars? Est-ce que c'est ça qui pral courir tout déficit ou pral dou l'état faire entre temps pendant 2 semaines l'ok là, pendant nous pral courir sous 3 semaines l'ok là? Est-ce que c'est ça ou pral considérer comme déficit? En vérité, papa, ici, un moment arrivé pour caler jour. Jodi an la, attaquer diaspora yo, c'est attaquer Haïti tout entier. Si Haïti, si gen activité économique ka fait en Haïti jodi an la, ke ou vle ke ou pa vle, c'est diaspora yo. Parce que gouvernement yo pa jamais assumé responsabilité yo. Gouvernement yo pa créé condition pour gen investissement étranger qui vient fait en Haïti, pa gen travail qui créé en Haïti. Et c'est une des raisons tout monde besoin de travail dans l'état. Tout monde besoin joindre un petit job dans l'état, même là c'est corruption. Et hier soir m'a parlé avec un ami. N'a fond débat. Débat sur qui s'allier. Moi dis en Haïti le pouvoir est symbole de corruption. Effectivement en Haïti le pouvoir est symbole de corruption. On va l'expliquer. Nous non pays côté que toute autorité a fui devant responsabilité. Tout nèg a couru devant responsabilité. Mais tout nèg remè pouvoir. Pouvoir douce pour tout nèg. Tout nèg vle retenir pouvoir. Tout nèg vle président, yo tout vle sénateur, yo tout vle premier ministre, ministre secrétaire d'état etc. Mais youn pa vle porter résultat. Youn pa vle porter solution avec problème pays, avec problème peuple. Comment comprendre nèg la li dou par exemple li ministre. Les ministres planification coopération externe même genre ça est pour y campier en tant que ministre planification ou gen poste de responsabilité ou gen poste de responsabilité parce que tout ça qui gen pour avec coordonner faire des coordinations venir avec des projets qui ca créer travail des projets qui ca créer une certaine stabilité que ce soit dans quartier populaire yo ou bien dans l'autre département yo dans commune dans section communale yo ça c'est responsabilité ça c'est mission gagner mais n'existe qui tellement plus attaché avec fonction que respecter engagement yo gagné que yo fait travail ministère a ba yo fait hein qui soit yo fait nèg lan l'elle monter dans poste hein? Premier réaction le gagné li cherche un acolyte li mette comme chef cabinet li cherche un ami taille li mette comme chef cabinet on connait pour qui raison on va le dire pour qui raison chef cabinet c'est censé lui même qui en pile fois fait travail ministre. C'est lui-même qui coordonne l'activité ministre. Si ministre peut-être pas son incompétent, lui cherche un tizan mille, lui mette chef cabinet qui sont l'autre incompétent pareil, lui m'a garanti. Tout effort qu'a fait dans le ministère, ça, son ministère, c'est effort en vain, oui. Son ministère qui a appelé à Grené Gilbret, son ministère qui a appelé à Grené Pointe, en rien encore. Ministère, ça pas jamais performant, il pas jamais kabay résultat. Jodi an la, questionner Ricky Pierre. Mandel comment ministère de planification a travaillé. Mandel comment ministère de planification a déroulé. Li pap ka bon, il pap ka bon bilan de travail yo. Li pap ka bon bilan de réalisation yo. Parce que c'est zanmi tay, c'est favoritisme. Eh bien, c'est l'âme vle vin avoir. Le n'a parlé de en Haïti, le pouvoir est symbole de corruption. Li vle di sa vle di. Jodi an, wap gade. Le nèg la li DG. Nèg la li non boîte l'état ministre. Premier ça le fait. Premier zak corruption le verre, oui. Avant la vole l'argent, avant la le fait détournement fonds publics, oui. Li fait ça nourrir les favoritisme. Li pour un petit ménage, li mette comme secrétaire. Li pour un bon frère, li mette comme agent sécurité. Li pour un bel seul, li mette comme, pas connaît, comme responsable et ressources humaines. Vous comprenez? Li fait favoritisme dans la boîte l'État automatiquement. Ou vini, c'est favoritisme fait, c'est la corruption a commencé. Si on rentre dans tête au ministère, ou pas qu'à suivre même des marches qui te gen avant, ou l'on vini dans tête ministère là, ou fait évaluation, premier soit fait, c'est évaluation pour faire. Garder capacité moun qui te là yo, fait training pour est-ce que moun sa yo mérite pour yon dans fonction, est-ce que moun sa compété, est-ce que le tabay résultat, automatiquement vini, c'est retirer moun mette pour, c'est corruption lié. C'est corruption liée et c'est une pratique qui est en Haïti qui a crasé l'État, qui a crasé l'institution, qui a crasé le pays. Question favoritisme. Non. Moun nan pap jam prouvé, moun nan li non opposition, li pap jam ouais de bon oeil pour la bien passer.
pour zanmi lan pour frère lan pas bien passer parce que vous mettez dans tête. Le premier bagage vous mettez dans tête, le vous dans l'état c'est pour bien passer. Le vous dans l'état c'est pas pour vous servir une communauté, une collectivité, mais c'est pour bien passer. Vous pral bien passer avec machine l'état, à machine officielle en babouda yo. Vous pral bien passer parce que nous pral payer sécurité pour yo. Nous vous pral bien passer parce que nous pral bay yo perdièm. Donc vous vinn dans l'état c'est pas pour vous rendre service, vous vinn dans l'état c'est pour vous jouir de service. Voilà la différence avec autorité en Haïti qui pas kabay résultat yo, avec autorité dans tout l'autre pays koto wè gen résultat kabay. En Haïti nèg yo vinn dans l'état, c'est pour yo vinn jui de service, yo pas vinn dans l'état pour yo vinn bay service. Mais réalité nan viv nan pays ya. Kounye ya. Le nèg la fin rentre dans l'état, li vinn fè favoritisme, li fin met tout si akolit li, tout si kre li, tout ko famille nan boîte l'état, nan institution. Même jore wè nan Edouville fè nan OPC ya. Kounye a ki sa genye, li commence à détourner l'argent, li commence à voler l'argent, li commence à faire faux fiches et pratiquement même dou ki sa li. Mjou jete gon carnaval ki ta fait. Le sa se sou Mantelier, Mantelier ki te président, carnaval national a fait. Gen yon directeur général, le sa mba jamblie, ministère a festan pou carnaval. Directeur général lan, li voye pran proforma pou yo konnen ki quantité bagay, ki quantité bois, ki quantité clou, ki quantité peinture a besoin pou yo festan nan. En vérité, yo al fè proforma pote bay DGA. Le yo vin avec proforma yo pote bay DGA, DGA wè ki quantité million de goud sa ap ekivo. Ou konn sa DGA fè? DGA genye res proforma pal li fè mete la dan. Li fè augmenter prix et puis voye aller le décaisser l'argent pour aller payer ristou nan tunnel ou bay directeur général. C'est pratique ça gagne dedans l'état. Corruption fait tout gens. Ça bon doué ça. C'est corruption qui fait pi priser en dedans boîte l'état. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est forme corruption yo fait pi souvent, yo fait pi souvent en dedans institution, en dedans administration publique là. Ou pral lâche ton bagay, yo bon pro forma parce qu'on connaît. Le nèg la quitte fonction, le nèg la pas directeur général encore. Le kounye a pou yo al bali de change, le CSCC a fait enquête, l'a fait évaluation, faut gen proforma, faut gen pri tout bagay pou yo est-ce que l'argent est bien dépensé. Kounye a l'on regarde dans proforma, ou pral ou être écart, ou pral ou être différence. Yo fait acheter pa ket bagay ou pas besoin et puis yo pas prêt non dans magasin. Magasin gen pal, démarcheur a gen pal, directeur général la gen pal. C'est forme de corruption qui pi prise, c'est ça yo fait plus en dedans boîte l'état et pour besoin pays fonctionner. Ou besoin gen l'argent dans caisse l'état et jodi an la nous fin craser au pays comme ça, nous fin craser caisse l'état comme ça, nous fin avec pays en faire corruption et puis qui yas nous besoin bay pas de casser qui yas nous besoin faire porter fado nous c'est diaspora on donne à 50 nous prend pas suffit ça nous prend soit appel téléphonique yo pas suffit kounya nous envisager pour nous mettre 50 centimes encore faire $2 $2 jodi avec taux informel là nous connait combien comme lié avec taux là ou $2 connait combien lié parce que moi hier BRH mettait le 125 gouttes du marché informel là fait $2 par 125 gouttes après combien le bail ça veut dire sous chaque grain transfert 125 250 gouttes pour l'état touché 250 gouttes ça on l'argent corruption t'a parlé on l'argent corruption légal yo t'a vinn légaliser corruption net dans dedans pays et puis jodi pour information ça pour m'ta gagner pour m'ta kebel pour m'comme pour information ça m'ta gagner là pour m'ta kebel pour m'pa ta partager là avec vous jodi là faut que nous commencer à assumer responsabilité nous comme haïtiens comme moun. Dossier ça pas concerné seulement haïtien qui vivent dans diaspora yo, c'est tout Haïti, c'est chaque grain haïtien concerné. Chaque moun la gon grain zami dans diaspora. Moi même gardé avec projet rentrer des classes là pour me river supporter 150 ti moun. Qui est-ce qui a payé des projets? Qui est-ce qui a payé des initiatives là? Qui est-ce qui dit y a m'a quitté pour quoi dans initiative ça? M'a aidé. M'a prend un ti moun, m'a prend deux ti moun, m'a prend cinq ti moun. C'est des haïtiens qui a vivent en Haïti, ses amis qui dans diaspora, nous tous ces haïtiens jodi an là, on parle de décision, li pa seulement affecter les amis qui dans diaspora yo, c'est chaque grain haïtien l'a affecté. C'est pays an l'a affecté. Nous pas ka quitter un groupe vagabond, un groupe sans sale, un groupe mercenaire, un groupe criminel, un groupe vampire dans la République pour penser yo gen tout droit yo, yo gen toute légitimité yo pour craser un pays comme ça. Li pas possible.
Si je dis à en fait, nous considérer que le pouvoir est symbole de corruption, à un certain moment de la durée, faut que nous disions là. Faut que nous disions camper là. Pays n'a pas arrêté comme ça. Nous pas qu'un pays qui a fonctionné sous un pareil prémisse. Le pouvoir est symbole de corruption. Non, le pouvoir ne peut plus être symbole de corruption. Faut que pays en fonctionne, même là, tout pays qui a fonctionné. Faut que l'autorité assume les responsabilités. Même gens, autorité tout le pays assume les responsabilités. Bagaille a dit c'est vrai, Doulé a dit c'est vrai, mais faut que nous foulions le béton. Nous toujours dit nous pas foulions le béton pour nous camper des barricades, pour nous rançonner malheureux et malheureux. Nous pas foulions le béton pour camper des barricades pour faire politiciens plaisir. Jodi en maligne, non, c'est dans quoi nous liés. Doulé, c'est dans quoi nous liés. Humiliation, c'est nous qui prenons. Le bandit a rentré la caille nous. Le bandit a kidnappé petit nous, le bandit a violé petit nous, le bandit a tué petit nous, mari nous, frère nous, soeur nous, c'est nous-mêmes qui subissons, c'est nous-mêmes qui victimes. La cause haïtienne n'est pas une cause internationale parce que Moussa qui est international, BINU, ONU, Corps Group et OEA, ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent. Parce que bon, dou, vérité, c'est qui s'allie. Je dis, Madala Lim, c'est ONU, oui. C'est la chose unique de prendre décision renouvellement d'Abinu. Donc, madame la lime, qui a fourré bouche dans toute cause en Haïti, qui a pris toute décision pour nous, qui est-ce qui met-elle? Qui est-ce qui met-elle? C'est vrai, la Chine recadre, c'est vrai, la Russie attaque, mais en vérité, je veux dire, ça n'a vivre là, communauté internationale a participé là-dedans, de manière active, de manière passive, yo participé là-dedans. Et il est temps que, chaque grand haïtien comprend, c'est pas blanc, c'est pas mon père, c'est pas mon seigneur, c'est pas eux même qui viennent faire rien pour nous. Jodi a Haïti son petit mouton blanc. Un petit mouton blanc. Communauté internationale pour un dent, BINU pour un dent, Corps Group pour un dent, République Dominicaine pour un dent, politiciens pour un dent, qui a ça quoi, l'église épiscopale d'Haïti pour un dent, gang pour un dent, chaque monde gon bout oui non, chaque monde gon bout de viande dans bouche là oui. Petit mouton blanc dès pas fini. Si mouton blanc meurtri, c'est sa réalité paysan. Et me songe un grand bagaille. Me songe un bagaille Nelson Mandela te dit. Sou besoin connait comment un dirigeant a géré pays. C'est pas garder comment l'a géré moun riche yo, mais c'est garder comment l'a géré moun ki pauvre yo. C'est regarder comment l'a géré moun ki nan prison yo, c'est comme ça. Effectivement, m'a regarder des séries de photos qui rive joindre moi. M'a regarder quelques vidéos qui rive joindre moi. Dans la prison de Tigouave, moun ki mouri, prisonnier mouri. Moun yo mouri debout déjà. Avant yo te get, avant je yo te get en fermé, yo te get en mouri longtemps. Yo te get en mouri, zo ak po. Zo ak po. Donc c'est pas garder comment oligarque qui a fait l'argent pour Haïti a fonctionné. C'est pas garder comment nèg yo a pour les gros machines pour Haïti a fonctionné. Mais c'est garder comment moun cité soleil yo a vivre pour est-ce que Haïti a fonctionné. Garder comment moun la saline yo a vivre. Garder comment moun kwa de bouquet pa karet la caillou aujourd'hui pour est-ce que Haïti a fonctionné vraiment. Pour est-ce que Jean-Victor Généus qui dit tout est globalement sous contrôle là, est-ce que tête monsieur ça à droite. Yo toujours dit là jamais la raison, mais politiciens en Haïti là il s'est déraisonné, il déraisonné nèg sa complètement. Et face avec toute situation ça, il est temps que nous rebeller. Il est temps que nous camper pour nous dire c'est assez. Maintenant, moi donc pas de plus bon moment pour gang attaquer que les gangs sous pouvoir yo. Et je me suspend il nous non moment là côté toute gang dans la République réactivée. M'pa konn si c'est là j'ai réactivé, m'pa konn si c'est l'ordre mettre passé, mais toute gang réactivé. Et d'ailleurs, madame la lim gen obligation là pour le voyer aller. Pour le voyer aller avant 17 octobre, liste gang, liste oligarque, liste politicien qui a financé, qui a bail gang l'argent, munitions pour saccager pays. M'a pour yo, m'a pour rien la madame la lim ni. M'a pour. Et bien gen invité l'homme innocent. Chef gang qui a dirigé Torsel, Peigné, qui a dirigé, bon, qui a allé dans quoi des bouquets là, qui a valé terrain, qui voulait prendre tout route frère pour lui, lui t'a dit, il t'a passé à l'action, il t'a attaqué, eh bien, vite l'homme innocent, lui font l'autre démonstration de force encore dans Belleville. Eh bien, jeune Belleville, ça, pour moun qui pas connu soit Belleville, Belleville, c'est un petit côté paisible, côté que gagné, toute qualité moun qui était là-dedans.
Moun ki a fait effort en Haïti, moun classe moyenne qui rete la dedans, moun nan secteur privé qui rete la dedans, et gros chabrak politique yo qui rete la dedans, et moun ki nan diplomatie étrangère la qui rete la dedans, gen toute qualité moun qui rete dedans Belleville. Et Belleville vin gen un système d'administration. Belleville gen un groupe moun qui a administré. Ouais, Belleville nan rentre Belleville, yo mette sécurité, yo mette poste de contrôle. Donc Belleville li pa on savan ou pa ka fè sauve. Donc, le gang vite l'homme nan taple de faire laisser frapper, gang vite l'homme taple de attaquer, saccager ton sel, gen plusieurs routes pour rentrer Belleville. Gen route ou fait nan Vivi Michel, gen route ou passe par Publin pour rentrer Belleville, gen route sous sorti tabar ou monter ton sel ou car rentrer dans Belleville. Comme vite l'homme, c'est chef gang Torsel, il t'a attaqué Belleville, il t'a attaqué différents autres et l'autre zone qui aux alentours, moun yo te prend décision, yo mette mur dans rentrée et dans rentrée Belleville qui baille sous Torsel là. Mais information qui rive joine moi décision ça qui prend pour yo mette mur dans rentrée Belleville qui baille sous Torsel là, c'est pas conseil administration Belleville là qui prend décision pour mettre mur. Mais c'est plutôt on certain Moril qui toujours en face vite l'homme parce que moun sa yo Moril a vite l'homme c'est l'état citron d'ailleurs vite l'homme nan question terre Moril nan question terre c'est des moun qui a prend terre c'est des moun qui nan dossier terre qui a volé terre moun qui a prend terre moun qui a prend kay moun etc. Donc deux monsieur sa yo c'est l'état citron y a fait affrontement y a bataille tout temps. Mes décisions semblerait-il c'est à Moril qui t'a pris décision pour monter mur pour couper ou torsel là pour rentrer dans Belleville. Et bien à plusieurs reprises vite l'homme t'est toujours fait essai pour craser mur ça. Mais comme Moril t'est en face vite l'homme toujours dit l'heure repousser vite l'homme et pendant il t'est attaqué vite l'homme la police t'est fait gros descente dans torsel à l'attaquer vite l'homme là. Vite l'homme t'est même dit c'est Moril qui mettait nèg policier derrière c'est Moril qui cherchait et partisan en pouvoir qui décidait attaquer etc. Donc je dis là vite l'homme bien bonheur non matin vite l'homme décidé li attaquer Belleville information qui sortit de sous policier fait qu'on est que vite l'homme li débarqué avec un dividal nèg exam li débarqué et avec et gros bacolodeur yo et bacolodeur ça semblerait-il c'est bacolodeur yo té prend pour nan gavel chojes chansiyan. Donc, vite l'homme li krasé mutostel lan ki rentre nan Belleville lan li krasé le plat pour le ka jwenn aksè. Parce que li trouve c'est dérespectant. Li trouve yo pa gen droit barre route lan. C'est lui même qui pou prend décision. C'est lui qui contrôle tostel. Si gon bagay ki pou fèt, c'est lui qui pou fèt. Donc, nan moment la, vite l'homme li enragé. Ça son l'autre démonstration de force. Li son démonstration de force parce que c'est pas ni yè ni jodi an gen SOS qui lance. Bah la police, bah autorité concernée pour prendre responsabilité dans le dossier vite l'homme non. Comme quoi vite l'homme t'a vinn attaquer Muel, t'a vinn attaquer Moun Belleville. Yo fait la sous d'oreille, pas jamais gagne aucune décision qui prend. Pas gagne aucun dispositif de sécurité qui mettait campé et puis sortant de vite l'homme attaquer. Mais faut moins d'où tout. C'est pas deux plaignants qui gagnent dans route frère, c'est pas deux plaignants qui gagnent dans zone et académie. Dans un petit troupeau, nèg vite l'homme yo là, information qui rive joindre nous, yo rentré la caille et yon policier, yo prend maman, yo prend petite, yo aller avec yo. Donc dans moment là, c'est tête chargée avec nèg vite l'homme yo, la police pressé doit assumer responsabilité yo. C'est vrai que effort qu'a fait pas bon côté la police pas si pas là. C'est vrai que ti effort qu'a fait pas bon côté policier pour gérer question gang, question bandit. Mais est-ce que jodi an sa n'a vivre dedans pays, nous ka contenter nous de ti effort qu'a fait. Si c'est ti effort 10 ans, 20 ans, 30 ans passé, pays a gangsterisé net, c'est pas jamais ka résoudre problème gang ça non. A bien l'autre gang qui a vini, yon pa jam ka résoudre problème vite l'homme, problème l'homme, sans jou, problème ISO, G9, GP. Yon pa jam ka résoudre li. Jodi an la peuple, nous pa ka contenter nous pa ka continuer à contenter nous de ti effort qu'a fait par bon côté la police. Nous pa ka contenter nous de ti effort qu'a fait par bon côté autorité yo. Neg yon gen trop l'argent yon gaspillé. Yon gen trop l'argent yon gagote pour ce ti effort. Pour ce petit effort n'a prend pour ce petit bagage minime petit bagage crabe n'a prend dans mais non pendant ce petit effort qu'a fait là c'est vrai petit effort ça a sauvé la vie quelques moun li protéger quelques moun mais gen moun ka mouri en quantité gen moun y a violé en quantité gen moun y a rentré la caillou kidnapper ou touyer en quantité qui ça cap dit qui ça cap fait
Moment arrivé pour nous lever campé vraiment. Moment arrivé pour nous lever campé, pour nous caler genoux, pour nous dire c'est assez. On paye pas qu'à fonctionner comme ça, on paye pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Pendant nous notre tout moment crise et puis rien à gouvernement là, il a fait, il a appliqué la stratégie du choc, il a ban nous choc, il a venu avec l'autre projet en bas, il a implémenté l'autre petit projet en bas, il a regardé comment il a consolidé pouvoir en bas, Montana en bois avec Madame Lima et avec Binu, Ariel en avec pouvoir là, y a regardé qui consolidation qui entente qui a fait. Et ceci, bien entendu, devait déranger tout le monde, tout le monde. Peuple est comme si nous voulions bailler vague, vérité nous pas bailler vague. Ça moi là dans la rue a pas qu'une mobilisation. Parce que si Ariel dou, Ariel ka bailler Jean-Victor Généris aval, li ba l'approbation pour dire tout est sous contrôle, globalement sous contrôle, faut que nous décontrôler nèg yo. Parce que si là nous pas qu'on brainer nèg yo, nous pas qu'on breeding nèg yo, nous pas qu'on satiet nèg yo, faut que nous ka commencer décontrôler nèg yo. Et puis bon façon pour nous décontrôler yo. Nan moment là, bon dou ki ça nous doit appliquer comme méthode. Nous doit appliquer vigilance. Nous doit vigiler. Nous devons vigilant, nous devons caléger nous. Parce que c'est bon moment pour nous mettre tout projet criminel, yo, tout projet sorcier yo de yo, pour yo finir avec le peuple. Nous devons vigilant. Et vigilant, ça, c'est pas dans la veille. Nous ne pouvons pas faire répit. Nous devons dénoncer, nous devons faire des dénonciations. Jodi an la, nous devons dénoncer un plan macabre, nous devons dénoncer un magouille, nous apprenons qu'à faire. Nous devons dénoncer et pas dans la note. Gè trois bagay m vlo sonje nan émission jodi a. Même l'ont oublié toute parole, trois bagay sa yo sonje l. Nan période sa, nan moment instabilité sa, gon bagay pouvoir Ariel Henry a fait. Ariel a pouvoir la gouvernement là, l'a utilisé stratégie du choc. Pendant l'a utilisé stratégie du choc là, nous même nous gon réponse nous doit ba Ariel et n'a fait nan trois façons. N'a prêté vigilant pendant n'a veillé, n'a dénoncé vagabond yo et n'a prend note pour yo. N'a prêté vigilant, n'a veillé, n'a dénoncé et n'a noté pour yo. C'est un plaisir pour m'être avec vous pour m'être porter émission mon éditorial pour aujourd'hui. M'a do projet rentrer des classes, n'est pas campé. C'est vrai, situation pays en difficile aujourd'hui, en chaotique. Nous pas quoi espoir pour l'école dans l'ouvri, mais toute bagaille a préparé, toute bagaille a finalisé dans souci. Jou l'école là pour ouvrir, jou activité reprendre sans tête cassée, sans parler en pile. Ça nous te promet timoun yo, ça nous te promet parent timoun yo. Pour nous arriver à supporter yo, ba yo valise, livre, tout l'autre matériel scolaire y a besoin pour yo rentrer l'école là. J'aime toujours dire, toujours prendre plaisir pour me remercier chaque grand ami qui toujours aidé, qui écrit pour dire Yannick, est-ce que projet a finalisé, qui soit besoin, qui ça manqué, etc. Donc c'est pas projet, c'est projet nous, c'est pas initiative moi, c'est initiative nous, c'est ensemble pour nous finaliser tout bagaille pour nous permettre à ce que tout moun sa yo, parents sa yo, yo content nan jou pour yo recevoir ça, bien pour yo recevoir pour yo voyer petit yo l'école. Yon gomme merci à vous-même qui tape suivi vidéo. Rendez-vous à casser 7h boule avec Foucopita pour reste programmation. Restez connecté. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel Paul là pour qu'il y ait bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick l'homme.